parce que la vidéoprotection représente une source de données qui n'est pas encore pleinement exploitée, parce que certains événements pourraient être évités en détectant au plus tôt leurs facteurs déclencheurs, parce qu'il n'est pas humainement possible d'exploiter l'ensemble des flux en permanence et d'en retirer toutes les informations qu'ils contiennent, parce qu'il existe des milliers de logiciels open source ou propriétaires permettant de faire telle ou telle détection, mais que tout le monde ne peut s'improviser informaticien. Nous avons créé MIA, une solution d'intermédiation permettant de porter à grande échelle des solutions innovantes et offrir à tous les capacités de se connecter à un grand nombre de capteurs, d'exécuter en parallèle et en temps réel de nombreuses chaînes de traitement, et ce, de manière sécurisée, afin de répondre à vos besoins d'aujourd'hui et de demain. Pour cela, il n'y a plus qu'à configurer plusieurs chaînes en choisissant parmi une galerie de modules métiers, validés et préconfigurés. Afin, par exemple, de détecter des départs d'incendie dans votre usine, il n'y a plus qu'à relier les blocs et lancer le traitement. Pour avoir en direct la visualisation des détections, mais aussi déclencher une alarme vers votre logiciel de supervision vidéo. En parallèle, nous pouvons aussi connaître la fréquentation de votre site. Pour cela, nous construisons une chaîne où il faut détecter les personnes et obtenir leur position au cours du temps. Nous vous offrons ici une interface de paramétrage simple et intuitive, permettant de faire correspondre un point de l'image à une position du globe, mais aussi de censurer des zones afin d'inhiber leur traitement. Une fois paramétrée, la chaîne d'analyse de fréquentation permet un affichage instantané des statistiques spatiales. On peut voir ici la répartition des personnes au sein de la ruelle, mais aussi temporelle, en fournissant une estimation de la quantité de personnes au cours du temps. MIA permet donc de valoriser vos données de vidéoprotection afin d'améliorer le niveau de sécurité de vos installations, mais aussi de les transformer en informations actionnables afin d'optimiser la gestion de vos infrastructures.